Et salut à tous, c'est Wer, et c'est parti pour notre second épisode de notre aventure suivie de notre aventure spéciale Melon, donc Melon Survival. Et il y a un petit squelette qui nous dit bonjour. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va... Attendez, je vais baisser le son. On va tuer un peu de squelette pendant la nuit, là, histoire d'avoir des os, hein, pour pouvoir commencer à faire un élevage de ce que je vais trouver comme animaux, hein. Donc deux poulets, je pense, pour le moment, parce que c'est le truc que j'ai trouvé. Écoutez, c'est parti. Aussi, on va aller visiter la piste de roc que j'avais trouvée la dernière fois. Donc, je crois que c'est un mob spawner. Je sais pas du tout. Et si on a le temps, on ira dans l'Ender. Ouch. N'écrase pas mes plantes, s'il te plaît. Oh, waouh. Bon, on va faire un peu à l'abri. On va manger. Oh. Mais le mode normal, je pense que ça a été un peu... un peu up. Non! Oh, petit bug, je reviens. Oh lol. Voilà, c'est mieux. Donc... écoutez, oh non! Bon, quand les loups meurent, oh merde, du coup, c'est bon, moi pour. Oh merde! Je sais comment on pourra adopter tous les loups s'ils meurent tous. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va s'arranger, on verra s'il en restera un peu ou pas. C'est parti, on va mis un peu de. Toi, récolte du melon pour moi, s'il te plaît. Merci. Oh! Parce que bon, je vous rappelle quand même que ma maison est vachement... Ouh, il a fait un saut de malade. Elle a fait un saut de malade. J'ai envie notre araignée. Oula. Je sais pas ce qui se passe derrière le mur de Bedrock, mais... C'est un peu inquiétant. Allez, hop. Creeper, arrête de creeper. Oh, waouh. Encore mieux que les pistons en fait. Toi, donne-moi de la bouffe. En fait, je pense que dans cette aventure, tous les mobs vont être hyper utiles quoi. Sauf peut-être les araignées. Mais les squelettes pour leurs os, les zombies pour leur bouffe, et les creepers pour récolter le melon. Donc ça va être un peu une zone toute trouée. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Mieux ça que récolter à la main. Oui, donc je vais un peu cliquer. Désolé. Donne-moi tes os. Wouah! Ouais, j'ai juste récupéré la bouffe qui est là. Voilà. On va rentrer dormir hein, parce que je n'ai plus d'épée, plus rien. Et les os, j'en ai suffisamment. Donc, au dodo. Ah, quoique. Non, il me faut encore plus d'épée. Enfin, encore plus d'eau, pardon. Il y a deux squelettes là-bas. Je vais vous faire un petit peu histoire de récupérer de la vie. Oups. Donc, je rappelle à ceux qui ne me suivent à peine là maintenant, j'ai pas arrêté de manger de melon. On m'a dit la dernière fois, mais pourquoi tu manges pas tes melons tout simplement? On n'a pas le droit. Interdit, interdit, interdit. Je posais d'ailleurs tout le reste. Hop. Oh, mais j'ai une épée comme ça. J'avais pas vu. On va l'utiliser tout de suite. Yeah. Oh, j'ai pas vu. Si. Un battre en squelette dans l'eau, c'est le plus chiant. Merci. J'aime le melon. Voilà, un os. Ah ouais, mais en fait, c'est le truc, c'est que ça va être vachement moche après si il fait trop partout comme ça. Bon, on va essayer de pas faire trop péter les creepers dans cette zone-là. Alors, on va pouvoir dormir. Et commencer un peu à faire notre récolte de...
côté un pas de melon, ma paroi. Oh. Voilà, je voulais juste l'os, j'ai entendu jusqu'à cramer, j'ai fait ah. Il y a un os gratuit vers là-bas. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer directement la récolte de nos petits. Voilà. Ce truc comme ça là. Bon, je vous rappelle que j'ai pas beaucoup de terre, hein, vu que là, y a que du melon, il n'y a pas de terre sur le sol. Donc je n'ai pas vraiment pas le choix de. Je peux pas agrandir la zone quoi. Là je vais devoir rester sur ce petit emplacement tout pourri. On va aussi se faire vite fait un peu de. Ah, il me faudra de la terre aussi pour le bambou. Oh merde. C'est pour un objectif, il va falloir le faire. Donc on n'est pas pressé pour cet objectif-là. Non, on fera pousser le bambou plus tard. Et pour ça, on va vraiment se concentrer sur ça, hein. Sur le pain, parce que ça va être notre seule bouffe pendant un bon bout de temps. Et bouffe est aussi un truc pour attirer les animaux. Donc, on va garder vraiment ça pour le pain. Peut-être un pour l'arbre. Voilà. Voilà. Parfait. Donc j'ai encore 26, ça me fera environ 5 pains. Ouais. 5 pains, c'est ça. Oups. J'ai encore l'impression que faites le son, elle m'a l'air vachement fort. Baisser le son de mon casque, voilà. On va replanter ici. On va essayer d'avoir une pousse d'arbre. Là, ça va être vraiment la recherche de pousse d'arbre non-stop. J'espère qu'on trouvera de la terre plus loin dans l'aventure. Peut-être pourquoi pas au mob spawner. Hein. Je vous rappelle qu'il y a trois coffres cachés sur la map. On en a trouvé deux pour l'instant. Deux pas très très compliqués à trouver. Je pense que le troisième va être un peu plus dur, pardon. Alors. Voilà, donc on va faire notre ferme, pardon, à cactus. Parce que c'est quand même un objectif. Alors on va la faire par là. Là, j'avais une flèche. Est-ce qu'il faut de l'eau? Je sais pas s'il faut de l'eau, je crois pas. On va quand même la faire près de l'eau, parce que c'est quand même plus fun près de l'eau. Voilà, alors comment ça fonctionne une ferme à cactus? C'est pareil qu'une. Ah, faut pas de bloc à côté. C'est pareil qu'une ferme à bambou, dans le sens où ça pousse en fait, sur trois étages. Voilà. Après, ça va s'empiler. Et on va casser, et deux bambous vont tomber. En fait, voilà. On va les récolter comme ça. Ah merde, il faut séparer, c'est ça. Ouais. Donc les bambous, en fait, apparemment. Allez, pas les bambous. J'ai du mal à me parler et me concentrer en même temps. Ce qui est d'ailleurs très désagréable. Donc, oui, apparemment, la cactus, il faut. On peut pas mettre de bloc à côté. C'est bon à savoir. D'ailleurs, on va mettre, hop, le dernier bout de sable juste là. Voilà, comme ça on prépare le terrain pour la prochaine fois. C'est parfait. Est-ce qu'on a besoin de cobble? Je pense pas, ça sert à rien. Le bois on va reposer. On va se faire un peu de pain, puis on va partir directement à l'aventure. Ah non, plus de pain en fait. Puis pain. Je calcule très très mal, hein. Je sais pas comment j'ai calculé ça, mais. Voilà. Ça nous fera assez de bouffe pour y aller. On va prendre des yeux au cas où j'ai vraiment besoin de manger. Des torches pour que vous puissiez voir.
Hop, 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 j'ai une pioche comme ça, j'ai pas de quoi faire une pioche en diamant, c'est pas grave, on y va. On est fou. Mon saut. Mon saut, mon saut, mon saut, mon saut. Oh non, c'est bon. Je croyais que j'avais besoin de lave en fait, non, la lave, il y en a juste un à côté. Donc, si je me souviens bien, et je me souviens bien, la torche est là-bas. Bon, je vais enlever ce bloc parce qu'il me paraît vachement suspect. Non. D'accord. Faudrait qu'on fasse un bonhomme de neige aussi. Voilà, c'est là. Donc. On va casser tout ça, hein. Non, rien. Ils sont sérieux, là? Attends, je vais creuser les autres blocs parce que... Ah ben voilà. Ok, donc il y a une salle juste en bas. Ici. Oh, voilà. Oh oh. Bon, il n'y a pas de spawner, mais peut-être plus bas, je sais pas. On va voir. En tous les cas, je vais garder... regardez, pour récolter tout ce charbon. Et apparemment, alors on m'a dit que c'était aléatoire en fait, l'XP qu'on gagnait. Donc merci à celui qui m'a dit. C'est depuis la 3.1. Bon, c'est intéressant. Je vois pas trop l'utilité d'avoir de l'XP quand on mine. Quand on fait cuire quelque chose, mais bon. Ah yeah. C'est moi ou il y a une vache. En tout cas j'ai vu un creeper, ça me fait peur. Je sais pas ce que c'est. Il y a un cochon. Alors, je pense qu'il y a des animaux sont en bas en fait. C'est peut-être ça là, ça secrète. Je sais pas. Bon, c'était pas très très caché hein, quand même. Je vais pas dire mais. C'était visible. Mais je vais organiser ça mieux que ça. Voilà. Je vais mettre là parce que ça je vais le prendre. Parce que ça me paraît suspect. Oui, j'ai envie de dire troisième coffre. Ah non, c'est pas un coffre caché ça. Bon, j'ai trouvé une map spawner. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Voilà. Oh! Ça c'est bon ça. 4 rues de l'under, des os, du fer, de l'or et un diamant. Oh yeah! Oh oui! Orgasme. Hop. Et les citrouilles, oh là là. Ça va aller vachement vite si je pars comme ça là. Enfin, les objectifs qui sont assez durs quand même. Et donc c'est un spawner de quoi ça? De cochon? Ça se passe comment? Vas-y spawn. Vous allez rien voir pendant quelques secondes. Non, ça veut pas spawner. Oula, il fait troll de tête ce cochon là. Je pense que c'était un spawner à zombie, mais depuis la 1.3 il a dû changer de tête. Enfin, il a été mis à jour, du coup ça a tout réinitialisé, ça s'est mis bizarrement. Donc le creeper. On va essayer de pas le faire péter. Ok. Oh yeah, deux cochons et deux vaches. Donc je me fais de prendre de la bouffe avec moi. Est-ce que je les ramène ou est-ce que je les laisse là? Je pense que je vais les laisser là. Est-ce que c'est ça la salle secrète? Moi je préfère les vaches personnellement. Voilà. Faites des bébés. Bon bah voilà. Attention, je m'en vais. Faudrait que j'amène une porte la prochaine fois parce que là ça va pas le faire. Hop. Voilà, bon, on a 3 vaches. On a de quoi de faire à. On a de quoi faire à manger. Oula, j'arrive pas à sortir. Donc ça c'est cool.
Après, pour l'objectif, faire une ferme à vache ou à cochon, je ramènerai tout le patelin un jour, là. Pas tout de suite. Bon, le map spawner, on a trouvé, finalement, c'est pas mal. On a du fer, on a du diamant, on a tes yeux de l'ender. Je me demande si on peut être dans l'ender. Ce serait rigolo, ça. Et je sais pas vous, mais là, j'ai envie d'aller dans le nether. Alors, s'ils ont fait un nether en melon, ah, je dis GG. Je dis un gros GG au 4. Donc c'était là-bas, je crois. Donc on va y aller. C'était ça, je crois. Hop, hop, jump, jump, jump. Ouais, voilà. C'est ici. Hop, mettre des torches. Voilà. Écoutez, on prend un petit peu de pain et puis on y va. C'est parti. Mon kiki. Je pense qu'on va prendre des pains en fer, hein, parce que ça va pas déconner. 16 minutes. What the fuck? Ouh, j'ai peur. Non. Le Nether a l'air totalement normal. Je suis très déçu. Enfin, normal. Le Nether, est-ce que c'est normal le Nether? C'est pas ça que je voulais faire. Ah. Bon, bah écoutez, je sais pas. Est-ce qu'il y a un objectif particulier à faire dans le Nether? Je vais regarder ça tout de suite. Non. Non, il n'y a rien à faire dans le Nether. Donc écoutez, bah voilà, rien dans le Nether, c'est génial. Useless power. Ah, là, je suis un peu déçu, vous avouerez. Un truc que je voulais faire, c'était... Et de l'autre côté. Oh, on va pas passer là. Parce qu'ils ont mis de la bedrock derrière. On va voir ça. Oh non, pourquoi j'arrive pas à le casser tout à l'heure? Bon bah y'a rien derrière en fait, je me suis fait U. Je vais quand même raconter ça parce que ça fait joli. Parce que ça fait moche si on l'enlève pas plutôt. C'est pas très joli. Pas déconner. Et on va remonter. Je suis content parce que ma première aventure sur cette map là a bien marché. Ça vous a plutôt plu donc. Bien content de moi. Boum, boum, hop. Non, y a rien en dessous. Underman. Leave me alone. Hop. Je pense qu'on avait buté les poulets parce qu'on est égoïste et le poulet on n'aime pas ça. Non, parce que maintenant qu'on a trouvé la bouffe. Poulet, ça sert plus à rien. Donc tant qu'à faire, se nourrir. Hein. Oui, parce que depuis un certain temps, par contre, les moutons, non, on aurait besoin. Ou pas, mais je vais pas les tuer quand même. J'ai un œuf, ce qui veut pas faire un gâteau. Trouver la zone secrète. Non, ça va. Ça m'avait l'air suspect, en fait non. Je vais me prendre une pelle et on va faire un bonhomme de neige. Parce que faut pas déconner, c'est comme une map à objectif à la base. Alors je fais pas objectif. Putain! En plus, c'est même pas looté de melon. Enfoiré. Ouais, je marche un peu comme ça parce que j'aimerais bien trouver un passage secret ou un coffre qui serait dans les parages, je sais pas. Parce que là, maintenant que j'ai trouvé le map spawner, le machin, j'ai envie de dire, mais il y a quoi d'autre maintenant? Il reste quoi?
rien. On va bien voir. Laissez-moi tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme objectif? Trouver l'herbe, j'ai trouvé l'herbe, ça. Oh putain. Oh yeah. Oh yeah. Ah, tirez-vous dessus en plus, je vous dirai rien. Bande de noob. Le pire, c'est lui, je crois. Merci. Oh non, non. J'ai pas beaucoup de vie, ne sont pas le fou. Oups là, pardon. Hop, hop, hop. Ça, on va tout ranger. Ça, on va le prendre, on va le cultiver. Le fer, on va faire fondre. Hein. 4 de fer, ça déconne plus. Il est où le fer? Décidément, j'ai du mal avec ça. Le coffre, on s'en fout pour l'instant. On va se faire. Ah, quoique. Voilà, c'est plus rapide. Ah, je suis en galère totale, c'est horrible. Voilà, 32 melons. Et on va réparer ce machin qui est très très moche. Je dirais même plus, ça me gratte la joue. Quel est le rapport? Je ne sais pas. Voilà, pour l'instant ça suffira. Après le melon, ça viendra tout seul. Hop! Hop, 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 parfait. Perfecto patronum, comme dirait mon grand-père. Il dirait pas ça, en fait. Il dirait quelque chose d'encore plus impressionnant, si vous saviez. Oh là là, hop. Qu'est-ce que je fais? Je me fail à mort, c'est pas grave. Oh, ah, merde. Oh, écoutez, sauron. Ah non, à côté de la cobble qui est ici en fait. Même si j'ai un générateur de cobble, je sais. Là. Pont du gravier aussi. Ah, du fer. Mon dieu, merci le gravier. Un de fer. Merci le gravier. C'était utile. Tu me donnes des faux espoirs comme ça. Alors. Ouais. Donc. On va se faire encore. Je vais faire pousser tout ça en off. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire ça. Et ça. Et en fait, on va plus les laisser ici. Que fais-je? Que fais-je? Du verbe féger. Et hop là! Voilà, une petite récolte de bambou. On peut faire ça avec le melon aussi, en fait. Voilà, on a du pain là. C'est si la famille. Wesh wesh, tac tac bang bang. Là, je suis bien là, je suis cool. Je suis bien placé là. Oui, je dis je suis cool parce que je suis bien placé, en fait, pas parce que je suis cool. Je pense que ceux qui disent qu'ils sont cool ne le sont pas justement. Enfin, c'est mon avis. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez à quoi servent les yeux d'araignée à part, bien sûr, de faire des potions de dégâts? Là, je vais vous montrer avec ma demi-barre de feu en moins, là. Quand on mange un œil d'araignée, voilà. On perd de la vie, pendant pas longtemps, vous voyez. Mais, en échange, on gagne un point de bouffe. Donc, si on est en plein fight, qu'on a besoin de vie et que...
Il nous manque deux cœurs et qu'on a deux yeux d'araignée, vous voyez? Ça m'est déjà arrivé, un truc qui dit ça. Eh ben, on prend des œufs d'araignée, sachant qu'on ne peut pas mourir avec le poison. Il nous restera un demi-cœur à la fin, mais vu qu'on a toute notre bouffe, eh ben, on sera vite full vie grâce aux œufs de l'araignée. Merci les œufs de l'araignée, merci. Donc oui, je disais que je fasse quoi? Ah oui. Ça. Je vous avoue que ça me fait un peu chier de d'utiliser du blé pour faire ça. Enfin, de gaspiller des graines pour mettre des pastèques qui ne servent à rien. D'ailleurs, on va en casser une. Je sais, je viens de la casser à vie. Ah, ça poussait là-bas. Voilà. Le mec chante la musique de Minecraft, quoi. What the fuck? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire encore? Ce n'est pas français ce que j'ai dit. Une canne à pêche. Pour la partie chiante de l'aventure. Alors. Hop. Donc, il va falloir pêcher les 10 poissons. On va pêcher un ensemble, voire deux. Et puis je ferai les 8 autres tout seul. Créer une peinture. Après, il nous faudra des bambous. Donc, on fera ça avec les bambous. Alors, on va pêcher déjà un poisson ensemble. Oh, ça va vite, ça va. Bon, on va pêcher les 10 poissons. Bon, on va faire 5. Et puis je ferai 5 autres tout seul. 3. Allez. Ouais, c'est bon, hein. Ça m'a énervé déjà. Donc, on range tout ça. J'ai pas envie de le faire. Pas tout de suite en tout cas. 1, 2, on va se prendre. On va faire un truc plutôt rigolo, vous voyez. On va faire ça. Une petite pelle. On va aller. Oula, coup de lag. Au truc de neige. Et on va faire un bonhomme. Voilà, juste ici à côté. Hein. Pas aller très loin. Ah, maintenant il va nous falloir. Il va nous falloir. Oh zut, il va falloir des citrouilles. Tchou tchou. Il n'y a rien là? Alors, excusez-moi, petit coup de lag, donc je n'ai absolument rien fait. Oui, tu sais ce qu'on va faire, ça fait 29 minutes que je filme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir de l'autre côté de la bedrock parce que ça m'intrigue vachement. Hein? Et vraiment juste pour aller voir. Hein. Ah, en fait, il a généré une map aléatoirement. Ok. Hop. Bon. Bref. Oh, ça a poussé, ça tient. Sur ce, on va pas laisser faire durer trop longtemps la vidéo. On va se laisser. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude avec un petit pouce vert ou bleu. Je ne sais toujours pas quelle couleur il est ce pouce. Et non, il faut relire les objectifs. Allez, lisons ça dans le lit. Qu'avons-nous fait aujourd'hui? Faire une ferme à citrouille, ça c'est fait. Une ferme à canne à sucre, c'est fait aussi. Faire une ferme à cactus, c'est fait aussi. Beau gosse, trouver de l'herbe. Attendez. Où je barre. Ah, mon stylo ne marche pas, ça c'est bien ça. Alors, ferme à citrouille, c'est fait. Canne à sucre, c'est fait. Cactus aussi. Aller dans le nether, c'est fait, même si c'était nul. Trouver de l'herbe, c'est fait.
trouver tous les animaux. Poules, moutons, cochons, loups, vaches, c'est fait. Ferme une ferme à vaches, c'est pas fait encore. Apprivoiser tous les loups non plus. Pêcher 10 poissons, ça me fait chier. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Faire des livres, une peinture, trouver la zone secrète, ça m'intrigue vachement. Trouver les deux lacs de lave souterrain. Trouver le mob spawner. Ah, ça c'est fait. Faire un bonhomme de neige, ça il faut que ça pousse un peu. Trouver l'ancienne bibliothèque. Et trouver ou crafter 12 œils de lender, j'en ai déjà pas mal. Donc voilà, donc écoutez, on va se laisser sur ça. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis si elle vous a plu. Et sur ce, allez, ciao tout le monde, portez-vous bien.